Allez, on est là, on est en place, on est en haut du Fenouiller ce soir pour un petit ride after taf. On est avec Sylvain. Salut, et Anthony. Et Anthony. Pas de soucis. Tous les deux du Rovest. Ils sont venus un petit peu cracher les poumons. Et que dire sur cette heure-ci, qu'elle va être caliente parce qu'il fait chaud. Ouf! Première montée, ride after taf, on commence par le petit mur, histoire de chauffer la machine. Ah, je suivrai pas, hein. C'est tombé, je vous vois là, mais non, c'est pas pour moi. Ils sont là, les compères de sortie, aujourd'hui je suis pas tout seul. On est trois et on est parti à l'assaut du Fenouiller. Allez, premier point de vue, c'est cadeau. Spécial pour les nordistes. 31,3 degrés là, à 18h30 dans le sud. Normalement on devrait éliminer la graisse là. Ouf. Allez, dernier petit coup de cul. Voilà la première descente. Je suis en nage les amis. En nage. Allez, c'est parti, première descente. Allez. Bon, pas trop de vitesse ce soir, c'est bon. On va le mettre dedans. Ouh. La chaleur m'a tué de la journée. Allez, ça va. Ah. Allez, on part tout droit. Tout droit. Alors, faut faire gaffe qu'il n'y ait pas du monde, quoi. Aïe, aïe, aïe. Sortie de route. On est trois. Merci. Allez, génial. Allez, ça remontouille un peu. Dans du beau single. Attention quand même qu'il n'y ait personne. C'est bon, Tim. Toujours regarder de partout. Freiner un petit peu là où il ne faut pas, mais c'est jamais. Ce
qui peut arriver derrière. Pour celui-là, terminé. Plus qu'à faire la petite liaison pour rejoindre la prochaine descente. Et petite liaison de 500 mètres et on récupère la prochaine descente. Allez, c'est reparti pour celle-là. Mieux que sur la première descente, hein. Je sais pas si vous trouvez vous aussi, mais en fait, parce que ce morceau, je vais le passer en accéléré, vous n'allez pas voir la différence. Je commence à connaître. Et encore, je trouve que même en connaissant, je lâche pas assez. J'ai encore trop sur la réserve, mais bon, on se refait pas les amis. Allez hop. Bon ben voilà, on a repris la sanction. Voilà, encore. C'est reparti pour une belle petite ascension. On va récupérer les crêtes de la croix. Bon après, normal. On a pris quand même des belles descentes, donc maintenant faut mériter la suivante. Bon, je vous ai passé le petit coup de cul. C'était une boucherie. Il fait chaud. C'était compliqué. Allez, on est reparti en direction des crêtes. Allez, bim, ça monte encore. Là, ça va être les crêtes. On y est. Là, ça va descendre un petit peu. Et puis, c'est reparti pour une ascension. Que des petites marches. C'est sympa, bien ludique. Encore une fois, juste faire attention aux gens qui arrivent en contresens. Sur la droite. Allez, on est toujours dans les crêtes qui en nous ramener la route. Je trouve toujours aussi joli avec le petit point de vue derrière là-bas sur la croix. C'est bien sympa. Dernier petit tronçon de descente là. Allez, on essaye de lâcher le regard loin. Il y a quelqu'un. Attention, il y a du monde. Il y en a deux derrière, merci. Tu vas bien? C'est Seb.
Et voilà pour cette descente. Bon ben voilà, on a droit à notre petit morceau de route. Bon, c'est toujours bon à prendre. Température un peu baissée là. On est à 25-26. Il fait quand même chaud. Je suis en nage. Allez, ça monte toujours. Les dernières montées là. Ça commence à piquer. Allez, on crache, on crache. Dans la dernière montée. Ah putain. Elle nique là. Et on se la fait. Allez, c'est plié. Allez, on va essayer de suivre ce chemin. C'est pas gagné. Mieux les virages que moi, le salopard. Ça, je l'avais dit que c'était pas gagné. Oh. Allez, bon, ben c'est bon, on filme Sylvain. Je me file tout seul. Je filme la poussière de Sylvain. Elle est belle. Hein, moi, je trouve qu'il la remonte bien. Ah, elle est fluide. Elle colle pas au poumon. Il y a une façon de lever la poussière, franchement, qui est fantastique. Et j'espère que en vidéo, vous allez bien le voir. Ici à fixer ma pédale, j'ai perdu le fil. Ah, allez, c'est reparti. Alors, si je suis les conseils de mon prof Anthony, écarte les genoux un peu plus du cadre histoire d'être plus stable. Alors, quand j'écarte les genoux, ça me fait mal aux cuisses, mais c'est vrai que par contre, tu arrives un petit peu plus à pencher ton vélo facilement. Enfin, c'est un geste à prendre encore une fois. Aujourd'hui, je ne ferai pas péter de temps dans la ludique. Tout droit et après sur la droite. Eh ben, il descend bien, monsieur Sylvain.
Quand je ferme ma gueule, c'est que je suis concentré. Allez, dernier virage. Et c'est fini. Et voilà les derniers petits tours de roue qui vont nous ramener aux voitures. Eh bien écoutez, une bien belle sortie. En plus avec des copains aujourd'hui. Donc un vrai régal pour ce petit after taf. Allez, moi je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.